Bon ben les zinzins, aujourd'hui on se retrouve pour une pêche sur un plan d'eau. Alors je fais cette petite vidéo pour déjà de une pour changer un peu des pêches de barbeaux. Mais aussi je vais vous présenter, enfin je vais vous faire voir surtout l'action de ma nouvelle petite canne Kiver. Donc l'essentiel X-Trend Brim Feeder en 3.30-3.60. Et ouais, 3.30-3.60 parce qu'elle est télescopique sur 30 cm. Donc ce qui vous permet d'avoir deux cannes en une, hein, une 11 pieds, une 12 pieds. Les 12 pieds, des fois, il suffit de pas grand chose pour rallonger, passer derrière un nénuphar ou autre chose, hein, et éviter les obstacles. Ou quand on veut pêcher un peu plus loin, ça nous permet d'avoir un plus grand levier avec 30 cm de plus. Donc je vais vous faire voir, essayer de prendre quelques touches en direct et puis vous faire voir l'action de la canne lors de cette pêche. Moi je me régale avec, hein. Franchement, alors j'ai déjà fait plusieurs pêches avec, hein. Des grosses pêches de carassin, de brème, etc. Je me suis bien amusé, je ne vous l'ai pas encore fait voir en action, donc aujourd'hui bah, c'est le moment de vous la faire voir. Et aussi en autre nouveauté dans la vidéo, aujourd'hui je pêche avec l'amorce de chez Dynamite Baits, la Margin Mix. Donc c'est la première fois que je m'en sers, je n'avais jamais ouvert un paquet, je savais pas quoi ça ressemblait. Je vais vous en parler un peu plus en détail après. Allez, on se retrouve pour un petit tour du poste, je vais vous faire voir comment est le poste et où je pêche. À tout de suite. Alors voilà le plan d'eau. Donc c'est un plan d'eau qui fait une bonne dizaine d'hectares. Alors malheureusement on ne le verra pas sur son intégralité car j'ai un gros buisson avec les branches en surplomb au-dessus de l'eau, mais qui continue là sur la gauche sur une bonne centaine de mètres. Et donc je vais zoomer un peu en face là pour vous faire voir. Forcément vous voyez la belle tache de nénuphar que j'ai là-bas, et ben je pêche un mètre avant. Je vais aller chercher mes poissons là-bas et puis on va voir ce que ça va donner au cours de la pêche. Poisson visé, y a un peu de tout, hein, forcément, c'est un plan d'eau, mais j'espère quand même me faire une belle pêche de brème. C'est vraiment l'objectif de la journée, de tanche. C'est vraiment l'objectif de la journée, c'est aller chercher nos belles copines vertes, là. Surtout que dans ce plan d'eau, là, il y a quelques jolis bébés à prendre. Allez, on se retrouve, je vous parle un peu, je vous fais voir l'amorce. Voilà, alors ça c'est la farine que je me sers aujourd'hui. Donc la Margin Mix de chez Dynamite. Et comme vous pouvez voir, elle est très rouge. Alors, on va pas se mentir, c'est pas une amorce qui est faite pour pêcher aux méthodes feeder. Hein. C'est beaucoup de la farine très fine et plein de particules de graines à l'intérieur. On est vraiment sur un côté végétal. Donc elle peut avoir du mal à se mouler aux méthodes feeder. Moi vous me connaissez, je pêche beaucoup aux méthodes ou à la cage et je ne me sers pas d'amorce en boule à la canne. Je sais pas pêcher à la canne. Donc voilà, je vais pas vous raconter n'importe quoi. Donc elle n'est pas forcément adaptée pour mouler. Elle peut être compliquée suivant comment vous la mouillez pour la mettre sur le méthode. Moi ce que j'ai fait aujourd'hui pour la rendre déjà un peu moins rouge, parce que là elle est vraiment très rouge et je suis pas du tout dans une eau teintée, voire même sur les bords elle est relativement transparente. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis un peu de terre dedans pour pouvoir la brunir un peu, qu'elle devienne un peu plus marron. Et elle est remplie de particules de graines. Et à l'odeur, alors c'est assez particulier, je ne saurais pas comment dire, je dirais que ça s'approche du thé.
Ça sent un peu le thé, le sachet de thé posé sur un coin de table après l'avoir mis infusé, ou une tasse de thé qui a un peu refroidi, ça a une odeur assez particulière et je trouve que ça ressemble un peu à ça. Je sais, si vous connaissez cette amorce, dites-moi vous ce que vous pensez du niveau du parfum. Mais en tout cas, moi c'est ce que j'en ressens. J'ai pas forcément un nez exceptionnel. Dites-moi hein, si vous connaissez cette amorce, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, donc par contre, le côté végétal, hein, plein de petits bout de graines, bah forcément hein, ça attire les carpes et puis bah moi j'espère surtout c'est l'étanche. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'intro que j'espère rentrer beaucoup de tanches. On verra bien. Allez, on se retrouve au premier poisson. Puis je vous fais voir un peu une. Oui parce que j'ai démarré ma pêche là il y a un quart d'heure et j'ai plein de tapes. Mais les poissons se piquent pas, donc je vais changer ma stratégie. Au lieu de faire un moulage normal, traditionnel, je vais passer à la double coque. C'est-à-dire que je vais cacher mon appât pour que le poisson soit en confiance quand il arrive dessus. Il ne voit pas l'appât et il aspire et en même temps il va aspirer mon appât. Allez, je vous fais voir un peu le moulage double coque. Alors voilà, ça c'est mon montage du jour. Hein, donc méthode feeder, je suis avec 2 grains de maïs. Et je vais vous faire voir ma double coque. Donc, je moule une première fois mon méthode. Voilà, je le ressors hein, traditionnellement avec l'appât apparent. Et comme là j'ai plein de touches, mais que ça pique pas. Donc je remets un peu de farine dans le moule. Et je vais refaire une coque supplémentaire. Voilà, je refais une coque supplémentaire pour que l'appât soit complètement masqué. Et avec ça, apparemment, ça devrait faire du poisson. Allez, on se retrouve pour la première touche. Les amis, je vais vous faire voir une super petite pépite, un joli petit mâle avec des très belles couleurs, des nageoires superbement proportionnées, c'est magnifique, magnifique. Allez, pas très gros, hein. Mais alors ça va être un superbe géniteur, magnifique. Regardez-moi cet œil, regardez déjà la palme qu'il a à l'arrière pour un poisson de cette petite taille, magnifique. Allez, on le remet vite à l'eau.
Yes. Ah, les amis, alors là il y a un magnifique poisson. Superbe, magnifique. Ah, elle m'a fait un superbe combat sur la bordure là. Top, royal. Magnifique, voilà, un joli tapis de tanche, il y a des mâles, il y a des femelles, donc l'amorce végétale, hein. Ça a bien rentré les cyprinidés. Yes, je vais les remettre à l'eau. Bon bah voilà les zinzins, franchement super partie de pêche, hein, je me suis bien éclaté. Donc une petite pêche du matin, parce que l'après-midi fait très chaud, donc voilà, tout est remballé là, j'ai plus qu'à rentrer à la maison. Passer d'abord, faire un petit coucou aux copains du magasin DP Agropêche. Bah écoutez, j'espère que la vidéo sur cette petite canne, hein, donc vous avez pu voir l'action, quelques touches. Franchement, je me régale, hein, une petite canne Kiver vraiment excellente, hein, pour tous ceux qui font des pêches de tout venant. N'hésitez pas, hein, vous allez vous régaler, hein, c'est la canne haut de gamme de chez Garbolino. Hein. Donc vous pouvez la trouver en 3,30, 3,60 et elle fait aussi 3,90, 4,20. Donc moi la mienne c'est un morceau télescopique, hein, au niveau du talon. Et puis je crois qu'il y en a une avec une rallonge. Je voudrais pas dire de bêtises. Que dire de plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Rivière Feeder et compagnie. Hein, on est toujours de plus en plus nombreux. Pour ma part, n'hésitez pas à continuer à vous abonner à la chaîne. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, la chaîne, elle grandit. C'est vachement cool. Laissez un petit like, un commentaire, partagez si vous voulez. Et puis à la prochaine vidéo. Je sais pas encore. Moi, cette année, de toute façon, c'est toujours la météo qui me dit où je vais pêcher. Donc ce sera un coup de plan d'eau, un coup de canal, un coup de la rivière, un coup je sais pas quoi. Peut-être bientôt retourner sur une grosse rivière, on verra ça. Allez, à bientôt, gardez la pêche. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to say